question, c'est qu'apprend-on aux futurs architectes dans ce pays? Quel est l'état de l'architecture dans ce pays? Où on en est par rapport à la maîtrise d'œuvre, à la maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'usage? Est-ce qu'il y a un débat sur l'architecture dans ce pays? Quel est nous ici, architecte, enseignant à l'école d'architecture de Casablanca? Je voudrais d'abord, rapidement, tracer l'histoire en fait, de l'architecture marocaine depuis l'indépendance, après les 60-70, où l'architecture marocaine était arrimée à ce qui se passait partout dans le monde. Était une architecture moderne, contemporaine dans son époque, qui posait des questions de lieu, qui posait des questions très pertinentes. La belle époque, la dernière belle époque. Les années 80, donc en fait, les fameux discours du roi, donc le discours de 79, de 84, de 86. À ce moment-là, on a voulu imposer une écriture avec une certaine identité à l'architecture marocaine. On a banni une forme d'expression moderne, contemporaine, dans l'architecture marocaine, et on a imposé en fait une architecture postmoderne, faite de pastiches, faite de mimétisme, qui n'avait aucune relation avec son temps. La commande publique a permis de réguler en fait l'architecture, la crise aussi des années 80, la crise économique. Donc en fait, par la commande publique, on a essayé d'orienter l'architecture vers un style et d'enfermer l'architecture, la production architecturale marocaine dans une écriture particulière. Troisième période, c'est fin des années 90-2000, où on va voir l'avènement en fait du gouvernement d'alternance avec l'instauration du concours. Concours pour les projets d'envergure, et on va voir immerger une jeune architecture marocaine par ces concours. Donc en fait, ces concours ont permis, un, par la professionnalisation de la maîtrise d'ouvrage, parce que c'est important aussi, par l'instauration d'une maîtrise d'ouvrage professionnelle, c'était la CGI dans votre cas, l'Université d'Agadir et la CGI. Il y avait des jurys assez intéressants à cette période-là, parce qu'en fait, c'était des jurys avec des gens qui avaient des formations diverses, en fait, il y avait une pluridisciplinarité, des artistes, des plasticiens, des gens de la culture, des grands hommes de l'État qui étaient présents dans ces jurys. Et en fait, ça s'est ressenti rapidement sur l'architecture qui a été produite dans le début des années, fin des années 90. Il y avait une soif de contemporanéité chez les architectes, et pour la première fois, on leur permettait de s'exprimer à travers de la commande publique sur des bâtiments d'envergure. On a vu rapidement émerger une jeune architecture marocaine. Bon, ça s'est essoufflé malheureusement. Je ne sais pas si c'est essoufflé. On a un autre phénomène qui s'est glissé, qui s'est mis en place. C'est le phénomène de la recherche de la signature, de la griffe. Donc en fait, on va aller à la recherche de grandes signatures qui ne sont pas forcément garants. C'est un glissement qui malheureusement cantonne l'archi marocain à un second rôle. Une ville de 500 000 habitants par an. Et tout ça se passe très loin des soucis de la profession. C'est de la construction. Voilà, c'est du chiffre. Si en fait on est dans l'équivalent des 30 glorieuses en Europe, en fait on a de l'économie, on a un besoin en logement, on a les moyens de faire, et on produit en série, on produit sans trop réfléchir. Donc en fait la situation actuelle est assez paradoxale. En même temps on a envie de faire de la qualité, on a envie de produire de la qualité, on fait appel à de la grande griffe pour faire des projets d'envergure, des projets de visibilité. Et en parallèle, on est en train de construire des villes où il n'y a aucun cadre bâti, où il n'y a aucune qualité de vie, où il n'y a aucun souci de création architecturale. Donc vous dites que c'est un architecte diplômé de l'ENA Rabat, c'est tant bien que mal d'avoir une écriture architecturale et d'éviter un peu les écueils d'une architecture justement simplement productive, mais d'essayer de retrouver une certaine profondeur et d'essayer de trouver une modernité qui puisse coller au contexte marocain, qui puisse émaner de notre culture et de nos valeurs, de notre marocanité. La période dont tu parles, de l'apogée de l'architecture marocaine des années 50-60, peut-être même 70, pourquoi moi je considère que c'est l'apogée de l'architecture marocaine? C'est des gens qui ont su allier la plus grande tradition progressiste, les principes modernes, les nouveaux modes d'habitat, les nouveaux schémas urbains, avec la tradition locale et les us et coutumes de notre pays et de notre géographie, le climat,
le territoire, etc. Donc c'est des gens qui ont su combiner ces deux et produire une architecture purement contextuelle, éminemment moderne. On est dans une phase où on se recherche un peu. Il y a une architecture contemporaine qui est revendiquée par, je pense, la grande majorité des architectes. Mais le corollaire, c'est un certain éclectisme et peut-être un manque de souffle au niveau de la qualité conceptuelle. Ça reste un peu superficiel, ça reste un peu des recettes, j'allais dire, un peu préchauffées. Et donc, on a du chemin à ce niveau. Il faut essayer de vraiment redécouvrir notre modernité. Un gros problème actuellement, c'est la ville. On a de belles opérations architecturales, on a un théâtre, on a des centres commerciaux, etc. Mais la catastrophe qu'on est en train de vivre et qu'on est en train de léguer aux générations futures, c'est le paysage urbain qui est complètement défiguré. C'est l'absence d'âme, l'absence d'espace d'épanouissement, l'absence de vivre ensemble. Et je pense que tôt ou tard, ça va faire des bombes à retardement. Et l'architecte, malheureusement, est absent. Qu'est-ce qui conditionne cette production architecturale un peu à la masse? C'est le profit, c'est la spéculation foncière. On le sait très bien. Quelqu'un comme Di Carlo, qui a fait partie du Team Ten, qui était copain avec tous ceux qui ont construit à Casablanca, et qui disait la question de l'architecture est très importante pour la confier au seul architecte. Et donc, en fait, ces questions d'usage, ces questions de pratique sociale, ces questions d'esthétique, doivent être partagées par... C'est un champ interdisciplinaire. Aujourd'hui, en fait, on ne peut pas dire le problème est uniquement au niveau des architectes. Architecture et culture, ben oui, c'est la technique, c'est de la culture, la construction, c'est de la culture, l'usage et le social, c'est de la culture. L'architecture est une question de culture. Et donc, en fait, on ne peut pas instaurer ce débat sans qu'il y ait une masse critique, sans qu'il y ait de la formation, sans qu'il y ait des écoles d'architecture. Aujourd'hui, les écoles d'architecture sont peu nombreuses. Complètement isolées, elles ont des problèmes de taille, elles ont des problèmes de structure, elles sont isolées de leur milieu, elles sont isolées de l'université, de la recherche. Il y a très peu de recherche, en fait, avec ça, on ne peut pas faire avancer la question de l'architecture. Les architectes se sont désengagés du champ de la recherche. Je suis désolé. Dans les années 60, tu avais 10 fois moins d'architectes, je sais pas, j'ai pas le chiffre exact. Tu avais des recherches urbaines, tu avais des propositions sur les nouveaux modes d'habiter, tu as les expériences de Candilis, etc. Il y avait clairement une qualité conceptuelle et une volonté d'offrir le meilleur habitat possible aux citoyens. Actuellement, ce qui conditionne la production du logement et de la construction, j'allais dire, c'est la spéculation, je suis désolé. C'est le profit, c'est la densité, c'est des densités incroyables. On construit, on vend, les gens habitent, il y a des frustrations, et au final, on se retrouve avec des problèmes sociaux. Les architectes sont-ils présents sur le débat, par rapport à ça, sur le débat? Non. Oui, mais est-ce qu'ils sont seuls responsables Ils ne sont pas seuls responsables, mais qui sera pointé du doigt en premier? Les architectes. C'est l'ensemble des acteurs. C'est tout ça. Le tribunal, quoi, comme ça. Ils sont trop réalisés. Après, on va donner la parole à Je pense qu'on a, en tant qu'architecte, on a une responsabilité que nous allons léguer aux générations futures. C'est clair. Et que quand vous sortez des centres-villes, ce que nous voyons n'est pas honorable. Je suis désolé. C'est scandaleux. Il faut que la société civile se mobilise aussi, qu'elle fasse ses revendications. Il faut que les écoles d'architecture fassent des propositions. Je disais tout à l'heure, les écoles d'architecture et la profession sont complètement isolées de la recherche. En fait, il y a de la recherche qui peut-être se fait dans des champs disciplinaires divers, mais en fait, il n'y a pas un lien qui se fait entre ces différentes recherches pour que ça fasse les effets. La pratique de l'architecture actuellement, elle est en grande difficulté. Une bonne partie des architectes galèrent, qui sont dans des petites structures. Qu'est-ce qui manque ? Qui a une difficulté d'accès à la commande. Déjà, un premier pas qui a été fait, c'est le nouveau décret de passation des marchés, qui reste à préciser et à améliorer. Je pense qu'à long terme, ça va forcément avoir des effets positifs. Il y aura une émulation conceptuelle entre les architectes et surtout une répartition plus équitable de la commande. Ce n'était pas le cas jusque-là ? Bien sûr que non. Je pense qu'il y avait une statistique, 10% des architectes qui accaparaient 80% de la commande, un chiffre de cet ordre. Parce qu'ils sont bons.
Oui, certainement. Essayer de travailler tant, tant que possible. Ils sont un peu dans leur structure, ils sont isolés. Je pense qu'il faut rehausser le statut de l'architecte, le mettre dans de meilleures conditions, et qu'en parallèle, l'architecte rehausse entre guillemets le niveau, entre dans la recherche, fasse des propositions et s'investisse. On ne peut pas laisser la ville se faire sans nous, sans nous les architectes. Parce que là, elle est en train de se faire sans nous, je suis désolé. Mais ce que tu dis sur, la, sur le nouveau décret, sur la, le niveau de passation, etc., ça ne peut avoir un effet positif sur la production architecturale que si, en fait, il y a un débat autour de l'architecture, que si, en fait, la presse joue son rôle, que si les concours soient publiés. C'est à l'associatif, c'est aux architectes, c'est à la société civile de dire que, qu'on ne peut pas continuer comme ça, de susciter un débat et d'essayer de trouver des solutions. Alors pourquoi il n'y a pas de débat? Parce que déjà, le citoyen marocain a une tendance à subir. Mais on lui donne des logements possibles, il rentre, il habite et il se tait. Oui, mais tu crois que ça doit venir du citoyen? De la société civile. La profession aussi est responsable. Je me présente. Imane Bonboni, je suis dans l'associatif et politique et je suis dans une spécialiste de la communication publique. Donc là, ce qui m'interpelle le plus, c'est que c'est vrai que l'architecte, c'est le maillon le plus important de la chaîne, mais il se trouve que c'est toute une politique nationale. Il s'agit de l'urbanisme, il s'agit de promouvoir une certaine culture, il s'agit de donner une certaine image, il s'agit de se positionner en tant que pays dans une mosaïque internationale. Donc du coup, l'architecte, il est là, il est entre guillemets en train d'exécuter ce qu'on lui demande. Mais encore faut-il avoir un observatoire ou quelque chose qui implique plusieurs personnes, des gens qui sont dans l'urbanisme, des gens qui sont dans la politique, donc plusieurs secteurs qui peuvent éventuellement se dire « oui, on a besoin de voir Casa comme ça, de voir Meknès comme ça, de voir Fès comme ça ». C'est-à-dire que chaque ville doit avoir une certaine empreinte, et cette empreinte, elle ne peut pas être éventuellement faite uniquement par les architectes. Le citoyen, il est là aussi, il subit, c'est un fait. Il ne peut pas faire autre chose parce que lui, il s'amène, il se dit bon, j'ai besoin d'avoir un logement, il achète et puis point barre. Il ne faut pas oublier que 90%, ou 80%, je n'ai pas le chiffre, de ce qui se construit au Maroc se fait sans architecte. Ou du moins se fait via des circuits un peu parallèles. C'est de la fraude ou c'est. C'est de l'habitat anarchique qui se construit, qui s'étale et personne ne maîtrise rien. Alors ici, est-ce qu'on parle de culture, d'esthétique, ou on veut bien aussi parler de l'urgence de tous les Foukara qui habitent encore les bidonvilles aujourd'hui. Expliquez-moi le problème de ceux qui habitent dans la vétusté, dans la misère. C'est quoi la question? Est-ce qu'il faut inviter les architectes à réfléchir sur cette question? Alors, comprendre déjà comment vous êtes structuré pour pouvoir vous mêler à ce problème social, par exemple. Comment on est structuré en tant que actuellement, en tant qu'architecte? Oui. Actuellement. Vous avez des structures, vous avez une fédération, vous avez des syndicats, vous pouvez donner des coups de poing légaux pour prendre le marché, ne pas laisser les maçons faire votre travail. Mais ce qu'on dit l'urgence d'aujourd'hui ne doit pas nous faire regarder en fait les détresses qui vont arriver demain. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on est en train de faire. Si on est en train de construire en toute urgence, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont dans des conditions déplorables qu'on peut construire du logement indécent. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de répondre effectivement à cette urgence. On est en train de construire à un rythme freiné. En fait, on est en train de créer des richesses parce que les gens qui construisent ces projets de logement, ils font de la richesse. Ils font de la richesse. Donc, en fait, aujourd'hui, l'équation est de comment produire un cadre de vie décent tout en répondant à la question de l'urgence. On peut dire au ministère de l'Habitat, qui en l'occurrence s'occupe de ces questions, c'est que quand vous faites du logement, il y a des chiffres qui sont importants, mais il faut introduire de nouveaux paramètres qui sont ignorés à mon avis. La dignité humaine, la densité, le paysage, la verdure, l'air. Et si ce n'est pas des paramètres qui ont autant d'importance que le paramètre chiffre, on ne s'en sort pas. Vous parlez d'architecture en tant que métier beaucoup, mais qu'en est-il de l'architecte créateur, l'architecte artiste?
artiste aujourd'hui. Comment on, qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement l'architecture ne soit pas uniquement de la construction, etc., pour qu'on puisse assister vraiment à la création artistique. Qu'en est-il de l'architecture et de la On n'a pas beaucoup parlé de l'architecture dans les campagnes. Le concours, c'est, enfin, c'est différent de la commande directe, où en fait on est en face à face avec en fait son client qui oriente, qui est là, qui est présent. Le concours, c'est un moment où en fait on a un programme, on a des éléments objectifs et on essaie de répondre librement. Avec les inconvénients du concours. Le jury. Lesquels ? Le jury. On va assister à des concours d'architecture où en fait dans le jury, il n'y aura aucun architecte. Je ne parle même pas de plasticien, de... Est-ce que la composition du jury est normée aussi juridiquement ? Non, une des recommandations, c'est de la normer juridiquement. Et de créer l'interdisciplinarité dans ces concours en habitant. Oui. Aujourd'hui, le concours existe, il est appliqué, mais on est jugé par... Je jette la pierre à personne, par des techniciens d'une commune. Donc, je ne veux pas, je dénigre pas, mais ces gens n'ont pas été formés pour juger le travail d'un architecte. Regarde, j'ai envie de dire, on peut les laisser tranquilles, ils sont bien comme ils sont. Peut-être faire un gros effort en termes d'infrastructure de base, bien sûr, d'accessibilité. Mais quand vous visitez des villages du sud marocain, c'est absolument magnifique.